Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 et la suite de ces nombreuses guerres. Et là, je vois que les Français sont de retour. Donc, on va voir si on peut pas les intercepter. Ceux-là vont être difficiles à intercepter. Donc, déjà, je vais juste reprendre ce territoire aux Anglais. Et on va voir ce qu'on peut faire après. Eh merde, je sais pas où ils vont. Si, ils s'en vont là. Ils sont combien en manœuvre? Ils sont 2 avec un 5. On devrait pouvoir les intercepter. Ouais. Le tout est de savoir si on va gagner la jungle. Ça va être chaud. On est plus nombreux qu'eux, mais ça va être chaud. On va prendre cette science. Ce qui va nous mettre 17. Ils sont combien eux? J'ai peur qu'ils soient 17 aussi, évidemment. Ouais. Bon, au moins ça nous met égalité. On a ce boost de morale assez impressionnant qui, je pense, peut nous... va nous aider définitivement. C'est-à-dire qu'on a encore cumulé un problème de corruption avec, en faisant ça, mais c'est pas grave. Alors, on va voir avec les Anglais où ils en sont. Ah, on est presque à signer une paix blanche. Ah, là, j'avoue que je suis un peu inquiet, mais bon, non, ça va, ça va, ça va, c'est bien. Ah, alors ça. Ça m'arrange pas. On va prendre sur les marchands parce que l'autre c'est quoi? C'est administratif? Non, il me faut tous les points administratifs possibles. Ok, donc ça on va... Ouais, ça c'est parfait parce que ça veut dire que maintenant on va pouvoir les pourchasser. Et peut-être en finir avec eux. Alors j'ai pas vraiment besoin d'argent. Ça je pourrais prendre ça. Ouais. Et 100 points administratifs. Ouais, j'en ai besoin. Là, j'aurais besoin des troupes. Mais je peux pas avant 4 ans. Par contre, je vais leur donner plus d'influence pour avoir la réduction de maintenance. Alors, mon héritier. Il est pas mal, mais il est toujours tellement déséquilibré, quoi. Ça, c'est... Je vais pas m'en débarrasser, parce que 11 points, honnêtement, ce serait... Ce serait un peu tenter le diable que de s'en débarrasser. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal quand même. Il faut absolument qu'on les rattrape ceux-là. On va pas s'arrêter, on va évidemment les poursuivre. Je ne sais pas où ils vont, mais... Ouais, par contre là, ils vont nous échapper. Mais ils sont dans un cul-de-sac quand même un peu en fait. Bon, il faut qu'on reprenne nos territoires. Je sais pas ce que font nos pseudo-alliés, là, pour l'instant. Ah, ils sont repartis reprendre leur territoire là-bas. Et merde, là, ils vont totalement nous échapper. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est l'armée qui était là, d'accord. Bon. Je pense qu'il faut que je gère ça, absolument. Ah, sauf si, là, ils reviennent. Ouais, on va attendre qu'ils puissent plus faire demi-tour. Et on va de nouveau les intercepter. Plutôt qu'ils se renforcent et qu'on puisse plus les intercepter correctement. Voilà, cette fois, on va pas les louper. C'est problématique, toutes ces occupations de rebelles, là. On va se diviser un peu... Surtout les rebelles en fait, parce que j'ai peur qu'ils obtiennent leur indépendance. On va voir ce que font les Anglais évidemment, mais... Ce qui m'inquiète moi c'est... Ah, j'ai perdu l'explorateur. Ah, c'est bien, là on va les achever. Parfait. Bon, mais ce qui moi m'inquiète c'est qu'il faudrait mieux que je m'occupe des Anglais, très honnêtement. Et de cette rébellion d'ailleurs. Ouais, ça serait plus intelligent, plus utile. Alors on va essayer d'améliorer notre score avec les Anglais. Ils sont dans le rouge, ceci dit, j'avais pas vu. Ah, ils accepteraient les réparations de guerre et peut-être un territoire. On pourrait commencer par ça, mais en fait, je vais attendre de reprendre ça parce que ça va valoir cher, je pense.
dans les discussions de paix. Ah, c'est parfait. On a gagné quelques points. Et du coup, ouais, on peut prendre deux territoires. On va prendre ces deux-là. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait de colonies, peut-être. Ouais, alors, c'est des colonies, justement. En fait, il n'y a que celui-là qui n'est pas une colonie. Ou alors, je pourrais prendre des îles aussi. Ouais, sauf que... Ouais, bon, on va prendre les îles. Alors, faut pas... Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer l'offre. Je vais juste prendre les réparations de guerre. Ok, et après on va essayer de voir, par exemple celui-là. Ouais. Ok. Ok, ça c'est parfait. Donc on va s'arrêter là, peut-être, non pas d'argent, mais les réparations de guerre, ça c'est intéressant. Alors c'est vrai que dans tout ça on gagne pas beaucoup de territoire, mais je pense qu'en cumulant là trois guerres d'un coup, j'ai pas trop le choix quoi, grosso modo. Là, malheureusement, il faut que je fasse face à cette adversité. Mais par contre, en réparation de guerre, ça va être très très intéressant. Je vais tout de suite pouvoir reprendre ici mon conseiller niveau 3. Ouais, sauf que, bon, pour l'instant, j'ai pas l'argent qu'il faut. Donc là, j'avoue que je sais pas comment faire. Parce qu'en fait, je peux prendre que 13 000 hommes à la fois. On risque d'avoir quelques soucis, je pense. Les rebelles vont nous attaquer. Ok, donc là, on va tout reprendre rapidement. Ça m'embête, là. Hein. Les Floridiens, là, ils commencent à me saouler, j'avoue. Donc là, ce qu'on va faire, hein, on va prendre le risque de débarquer comme ça, mais j'ai peur qu'ils nous sautent dessus et qu'on soit perdants. Non, j'ai pas l'impression. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre la province. Et débarquer cash. Et on va pouvoir se débarrasser d'eux. Ok. Bon, là, on reverra ça sur les Français un peu plus tard. Alors, le problème, c'est qu'on a rien exploré du tout. On peut toujours rien prendre en Afrique ou... Ah merde, je suis obligé de reprendre un autre explorateur. Amérique du Sud, c'est ça qu'il me faut, enfin. Là, je vais pouvoir voir des territoires en Afrique. Et donc, la prochaine guerre, on pourra se servir. Voilà, c'est ça que j'avais un peu peur. Je sais pas si je serai là à temps, honnêtement. Si, j'ai l'impression que si. Ah, oui, c'est bon. Parfait. Donc là, il n'y a pas de fort. Hein. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de fort, on va réembarquer... un maximum de troupes. Je pense que les Français, c'est pareil. Hein, ils vont pas tarder à se rendre, honnêtement. Là, on va pouvoir... occuper des territoires sans grand danger. Alors, ça, c'est un peu plus ennuyeux, j'avoue. Ils sont relativement nombreux, en fait. Ok, donc là, le but, c'est de reprendre ces territoires-là rapidement. Ouais, ça va être tout bon, ça. On va très vite arriver à 20 scores de guerre. Et je pense que la prochaine guerre, on aura une vue sur l'Afrique. Et on pourra enfin aller chercher des... se rapprocher peut-être un peu de l'Europe. Pardon. Ok, là, j'ai fait la seule revendication que je pouvais faire. Là, on va continuer. Alors, ceci dit, eux, j'avais l'intention de les vassaliser, en fait. C'est bien sûr possible, ça posera aucun problème, et j'ai une place de libre. Et du coup, si j'ai une place de libre, je vais en libérer une, parce que je préfère toujours en avoir une en réserve. Donc, j'intégrerai, peu importe... je sais pas qui d'ailleurs. J'en ai 4, hein. J'ai les Pointis, les Wichita, les Hurons. Et qui d'autre? J'en ai d'autres, mais je sais pas où ils sont en fait.
Merde, c'est qui les autres? Ah bah c'est les Pueblos. Les Pueblos, je peux les intégrer parce que honnêtement, j'ai aucune chance de les faire grossir alors que les autres, par exemple, sur des colonies qui pourraient apparaître là le long de la côte, c'est fortement envisageable. Donc en fait, c'est eux qu'on va intégrer. Bon, après, il faut quand même que je finisse ma guerre contre les Français quand même. Mais j'avoue que je la trouve plutôt bien engagée, surtout qu'en fait, on voit plus de Français à l'horizon. Ah, ils sont en guerre contre l'Autriche. Oh, sérieux, c'est tentant. C'est tentant d'aller faire un débarquement. Ah, putain. C'est peut-être chaud, hein. Tiens, quand je vois la Savoie qui est arrivée jusqu'ici. Ah, c'est super tentant. Est-ce qu'ils ont encore des troupes? Parce que du coup, une guerre contre l'Autriche, c'est plus la même chose qu'une guerre contre moi, très clairement. Ah, ils ont encore 58 000 hommes de réserve. Ah, c'est bête, hein. Je peux pas aller débarquer en France. J'avoue que ça me tenterait énormément, mais c'est juste impossible, je crois. Bon, on va lancer une colonie. Une colonie ici. On va prendre 1000 hommes. Qu'on va débarquer là. Je peux relancer des colonies, hein. Du coup, là, on va quand même essayer de faire la jonction. On va prendre 1000 hommes, pareil. Qu'on va débarquer là. Ah, intéressant. J'ai pas besoin de prestige, très clairement. C'était quoi ça? Ah oui, alors ça va être compliqué par contre, parce qu'ils sont quand même relativement nombreux. Ils ont pas de généraux. Je pense que ça, c'est tout bon pour moi. Alors là, on va découvrir toute la côte. Seulement, il n'y a pas de province française, donc ça va moyennement m'intéresser, en fait. Ah, là-bas, faut que j'aille les aider, parce que c'est la cata. On va y aller cash, comme ça. Je peux désactiver mes forts d'ores et déjà. Alors, lui peut aller là. Lui peut aller là. Je ferai le point sur les colonies un petit peu plus tard. Donc là, je vais pouvoir me débarrasser. Non, faut d'abord que je regarde le. Faut d'abord que je fasse le point sur les colonies. Franchement, j'aimerais bien le faire passer dans le rouge. Je crois qu'il va passer dans le rouge tout seul, en fait, sans qu'on le force. Grâce aux Autrichiens, je pense. Ouh, ça c'est sympathique. On va virer tout ça. On va pas leur. Ah, c'est déjà fini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amérique du Sud-Pacifique. Il n'y a que des territoires qui m'intéressent pas, quoi. Comment on fait pour traverser par là? Mer des Caraïbes. Ça va nous faire découvrir ça. Méditerranée, ça m'intéresse pas spécialement. Pénible, ça. Alors, si on discute de paix, d'abord ce sera les réparations de guerre, ça c'est clair. Et après, on a 12 points, donc peut-être qu'en fait. Oui, on pourrait presque avoir déjà. On n'est plus qu'à 4 points. Donc ça devient bon. Ah, ça, je prends la production comme d'habitude. Donc là, je peux me séparer de mes navires de commerce, enfin mes navires légers, qui vont repartir protéger le commerce. Je pense que les Français sont définitivement trop occupés ailleurs pour s'intéresser à moi. Ok, ça c'est cool. J'ai beaucoup de colonies là, hein, j'avoue. Bon, pour l'instant, ça gère. Les conversions ont bien ralenti du coup. Je peux pas me repayer un missionnaire.
Non, il n'est pas disponible. C'est lui, là, mais il n'est pas disponible avant 7 ans. Alors, par contre, je peux prendre ça, peut-être. Non, ça leur fera beaucoup d'influence. J'ai le choix entre celui-là et celui-là. Honnêtement, je prendrais bien un moins 2 d'agitation pour moins 50%. Et on va prendre ici. Ah, c'est celui-là. Il va me coûter 9,60 au lieu de 19,20. Il est important que je repasse à plus 3. Et c'est pas pour autant que je passe dans le rouge. Donc ça, c'est très cool. Toujours pas, mais presque. Ok, on va se regrouper là. Bon, mon navire prend trop de temps. J'aurai pas le temps d'aller en Méditerranée voir ce qui s'y passe, malheureusement. Ah bah, s'ils veulent m'attaquer, ça m'arrange. Voilà, parfait. Comme ça, on n'en parle plus. Alors là, normalement, on peut faire un mariage royal. Ok, ça nous met à 179, donc on est presque à 150. 190, pardon. Et ils viennent de passer dans le rouge. Alors malheureusement, je pourrais pas demander autre chose. Et j'ai aucun autre territoire en vue. Là, je suis au maximum, hein, vraiment. J'ai découvert aucun autre territoire français, c'est quand même terrible ça. Je suis un peu déçu, j'avoue. Tout ça, il y a des forts, donc il vaudra jamais. Bon, on va leur demander de l'argent. On en aura moins que tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, pardon. Que l'épisode il y a quelques années déjà. Mais c'est quand même une belle somme. Quelques territoires intéressants et surtout les réparations de guerre, quoi. Ouais, surtout les réparations de guerre. Ok. Alors, ça va nous faire beaucoup de colonies, 6 colonies, mais alors, par contre, en termes de réparation de guerre. Voilà, ça va me coûter 40 ans pour les colonies. Bon. J'aurais intérêt à mettre des colons là où. C'est le plus avancé. C'est-à-dire ici. Et ici. D'accord. Voilà, il y a déjà un colon. Et l'autre, c'est laquelle? C'est celle-là. Non. Celle-là, celle-là. Et celle-là. D'accord. Donc là, celle-là, on va la rappeler. Voilà, comme ça, on va essayer d'accélérer le mouvement. Je peux pas survivre avec 6 colonies, évidemment. C'est pas viable. J'ai pas les moyens. Mais je pense qu'on va s'arrêter à 4 et on va accumuler de l'argent. Ok. Eh ben, c'était quand même. J'avoue qu'il y a un moment, je me suis demandé quand même si j'allais m'en sortir de cette affaire là. Avec ces 4 guerres de front, ces 3 guerres de front. Donc je suis quand même un poil soulagé. De rien avoir perdu, même d'avoir réussi à finalement gagner des territoires. J'en menais pas large, hein, pour être tout à fait honnête. Donc ça c'est bon. Alors, on va mettre des mercenaires à protéger nos colonies. Je crois qu'il y a celle-là aussi. Ok, et. Il y a celle-là. Là, je dois en manquer une, mais je sais pas où elle est. Donc, parce que là, j'en ai une, deux, trois, quatre. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. J'ai beau refaire le compte. Il m'en manque une quelque part. J'arrive pas à savoir laquelle c'est. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il y a celle-là. 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 Ah, il y en a une là, d'accord. Bon, bah celle-là, à vrai dire, il n'y a besoin de personne parce que c'est juste à côté de moi, donc on pourra aller de l'un à l'autre. Ceci dit, c'est pareil pour celle-là. S'il y a une révolte au nord ou au sud, on peut y aller. Donc je vais me supprimer ça. On va quand même faire des économies parce que. Par contre, j'ai besoin de quelques hommes pour faire la guerre quand même, si possible.
Hein, je crois même pas qu'en termes de lassitude de guerre, on soit très élevé. On est même à zéro. C'est dire si cette guerre a pas été trop stressante, en fait, parce que on reste à zéro malgré tout. Donc, ouais, je suis vraiment content de la façon que ça s'est passé. Ou 2 de valeur fiscale, c'est quand même pas mal. Et en plus, les marchands vont contrôler une province. Donc en fait, cette province pourra croître à l'avenir, avoir des bonus de ce genre-là. C'est des événements aléatoires, évidemment, mais... Ok, donc j'espère que... Ah, mais là, on va jamais tenir, en fait. Si, c'est bon, pourquoi tout d'un coup... Ah, on devait renforcer nos troupes, en fait. 49, c'est quoi ce délire? Le Portugal me donne 86, ils ont dû avoir un boost de... Mais ça va pas durer évidemment. Ils ont peut-être signé une paix ou je sais pas, mais voilà, c'est retombé à une réalité un peu plus douloureuse là. Ah mais la lutte contre la corruption, c'est pour ça en fait. Ça va pas durer trop longtemps ça, j'espère. Parce que là, ça fait beaucoup d'argent quand même. Putain, on perd trop d'argent là. On est à 0,15 encore de corruption. Moi, je pense qu'on va s'en sortir de justesse, mais c'est vraiment pas l'idéal. Ouais, 0,8, encore un mois. Ce que je peux faire, c'est ralentir le mouvement en quelque sorte, ne plus baisser que de la moitié par exemple. Pff, ouais, ça va pas trop. Mais... Comment je pourrais faire? Je vais supprimer encore d'autres mercenaires peut-être pour économiser de l'argent. C'est quoi ça? Sérieux, ils se sont mis juste là pour me bloquer le passage quoi. Juste pour m'énerver. Bon, restons zen. Du coup, je suis même pas sûr de pouvoir passer là. Putain, les emmerdeurs. Ah merde, ça va pas être pratique. Je vais avoir du mal. Ah non, c'est bon, ils sont en mouvement. Ah, donc là, je suis bel et bien bloqué. Donc il va falloir dorénavant que j'utilise des navires. C'est pas super pratique, j'avoue. Et merde, j'avais pas vu qu'on était dans le négatif. Bon. Faut vraiment que j'en finisse avec ces colonies. La dernière me coûte 20 ducats par mois, quand même, mine de rien. Donc il y a un moment là, faut. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah merde, ils sont partis faire le tour du monde. En fait, on est au mauvais endroit là, parce qu'on est du mauvais côté de. De l'océan, du continent. Donc en fait là ils sont partis faire le tour du monde. Donc ça va pas du tout. On fait demi-tour. Ah, j'y suis presque. Bon du coup ça j'avoue que ça me sert pas à grand-chose maintenant. On va faire des revendications sur les Anglais peut-être. Ou les Indes là, ouais, les Indes occidentales. Ok, donc là c'est parti. Cette fois ce sera plus simple. On a pris tout le monde d'un coup là? Ah oui, c'est pratique ça. Bon, alors j'attends pour faire la guerre de pouvoir intégrer Pueblo. Ceci dit non, puisque j'avais un de réserve, enfin une place, c'est bon. On va tout de suite faire une guerre de conquête sur peut-être tout, peu importe, Tunja. On va pas mettre Quito en co-belligérant, ça me servirait pas à grand-chose, j'avoue. Ah, mais ça va être problématique quand même. Hein. Finalement, il va vraiment falloir que j'y aille. Ouais, bon, on verra. On avisera. Alors, bon, cette guerre, je crois pas qu'elle me pose un gros problème, honnêtement. Ils sont niveau 10 technologiquement, ils ont vraiment pas trop évolué. Donc ça devrait bien se passer.
Eh merde, là, je suis un peu. J'espère qu'on a assez de troupes. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'en ai laissé 1000 au milieu, mais en fait, j'avais pas réalisé qu'il serait 2000 là. Ça fait beaucoup. Bon, on va tout de suite se diriger vers Quito. Eh, sauf qu'on peut pas. Si, normalement, on doit pouvoir là. Ah non, on peut pas à cause du fort. J'ai un en siège là. On va inverser les rôles. Ou on va se laisser. On va laisser tout le monde ici. Ah, là j'ai fait un bon score. Merde, ça va être compliqué. Il va falloir que je récupère. Faut que je récupère 13 000 hommes. C'est pas grave. Ok, c'est parti. Avec un peu de chance, on peut même les intercepter comme ça, sans qu'ils y voient que du feu. Non, on va directement aller là. Ils sont niveau 10, hein, donc honnêtement, je peux prendre le combat sans souci. Ok, je peux même les. Je peux intercepter ceux-là aussi. Ok. Et après, on va aller là. Bon, faut absolument que je prenne ce fort de toute façon. Donc, on va enfin prendre cette technologie administrative là. Ça va baisser là, les recherches déséquilibrées. Je suis plutôt pour, évidemment. Bon. Bon. Ça, je peux prendre aussi, mais j'ai pas de remise. Je préfère vraiment attendre d'avoir la remise. Je vais arrêter l'épisode ici. On verra ce que. Je pense qu'il faut que j'aille chercher le niveau 15, hein, j'ai pas trop le choix. Donc ça va me demander du temps encore. Malheureusement, mon prochain roi est pas mieux que le précédent. Trop déséquilibré. Je suis obligé de prendre une doctrine militaire, je pense. J'ai pas trop réfléchi, mais quelque chose comme la. L'offensive, peut-être, ça améliore bien les sièges, ça améliore bien les leaders aussi. Feu de commandant et feu et choc. Plus les sièges, bon le modif de limite, la discipline et puis la vitesse de recouvrement. C'est vrai que c'est pas mal. La quantité, je pense vraiment pas en avoir besoin honnêtement. Et puis sinon, il y a la qualité. Alors je sais jamais honnêtement. C'est vrai que ah peut-être que le boost de siège est quand même intéressant, ce boost de siège et puis les deux stats des commandants là. Ah, je sais pas, j'avoue que. Bon, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment que je prenne une doctrine militaire parce que j'ai pas de quoi m'acheter une doctrine économique pour l'instant. J'aurais bien aimé, hein, mais c'est compliqué, hein. Déjà, j'arrive pas à fournir assez de points administratifs, donc là, ça me paraît compliqué. Allez, on va prendre l'offensive cette fois. Je me rappelle plus ce que j'avais pris au let's play précédent. Mais l'avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir la développer très rapidement. Ok, je vais vous laisser, vous donner bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.